Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Samuel avec vous aujourd'hui. Regardez, j'ai décidé cette semaine que c'était assez, que j'allais enfin porter mes couilles d'homme et que j'allais vous dire la vérité. La vérité sur moi et sur mon terrible secret que je porte depuis tant d'années. Ce qui s'est passé, c'est... Désolé, cette semaine, j'ai redécouvert l'histoire de Devin Physique. Je sais pas si vous vous rappelez, le gars de Shreds Plain Tattoo qui avait une énorme controverse sur lui, comme quoi est-ce qu'il modifiait ses photos sur Photoshop, et ça y a quasiment coûté sa carrière. Et je me suis dit, je peux pas laisser ça m'arriver, je peux pas... Si ça a fait un aussi gros scandale pour lui, ça peut sûrement faire un encore plus gros pour moi. Donc je me suis dit, c'est pas vrai que je vais mentir à ma clientèle. Donc aujourd'hui, je vous avoue, guys, je modifie mes photos sur Instagram et j'ai décidé de pas faire ça à moitié. J'ai décidé que j'allais vraiment vous dire la vérité et que j'allais vous expliquer de A à Z ce que je faisais pour être capable de modifier mes photos. Donc regardez, on se rend directement sur mon application. Je suis enrhumé aujourd'hui comme ça, pas de bon sens. Donc j'ai décidé de commencer en vous montrant l'application que j'utilise pour modifier mes photos. Facetune 2, une application qui coûte 4,99$. Et regardez, j'ai pris une magnifique photo de moi ce matin, justement pour l'occasion. Donc... ce qu'on va faire avec Facetune, guys, c'est complètement incroyable. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu comme un tutoriel. On fait un tutoriel ensemble sur comment modifier vos photos sur Instagram pour être plus sexy. Et je vous montre, comme je disais, mon terrible secret de ce que je fais. Vous pouvez faire absolument n'importe quoi avec Facetune. Regardez, on va y aller tout de suite avec mon visage. Bon, on détecte pas mon visage parce que probablement qu'il y a trop de morts dans celui-ci. Magnifique photo de moi en passant, si jamais vous voulez la mettre en photo profil. Donc on peut jouer, regardez, on peut jouer avec mon sourire. Donc en ce moment, je suis capable de me mettre de plus en plus content parce que regardez, mon rhume il va de mieux en mieux. Donc je suis très heureux de ce qui se passe aujourd'hui. Regardez, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? Je suis encore un petit peu enrhumé. On va aller jouer avec mes yeux un petit peu, tiens. On est... ah, déjà plus de visage encore une fois. Attends, on va l'avoir. Les yeux, pourquoi pas? Pourquoi pas jouer un petit peu avec la grosseur de mes yeux? Parce que regardez, vous le savez, je suis enrhumé. Puis quand je suis enrhumé, j'ai vraiment des yeux super enflés. Donc c'est un petit exemple de ce que vous pouvez faire. C'est magnifique, c'est vraiment, c'est moi-même aujourd'hui quand je suis enrhumé et quand je vous parle en ce moment. Donc ce que je vais vous montrer plus tôt, c'est comment est-ce que je peux passer d'un petit Chico à l'homme musclé que vous connaissez sur les réseaux sociaux. Regardez, je vous ai pris une belle photo de moi-même. Si je peux la trouver, bien sûr. Non, on est rendu dans le début de ma vie, ça. On revient. Et... on va l'avoir, je pense. Et voilà, guys. Donc, voici le magnifique Samuel. Et ça, c'est Samuel, en ce moment, qui peut pas être plus... peut pas être plus accurate. C'est moi, c'est mon physique, c'est moi, 23 ans. Vous le voyez, mon visage, c'est moi, en ce moment. Donc, je vais vous montrer à quel point Facetune peut complètement vous modifier de A à Z. Et comme je vous ai dit, je vous avoue aujourd'hui comment j'ai fait toutes ces années pour avoir autant de followers sur les réseaux sociaux. Regardez, c'est pas compliqué. On va se modifier ici, au niveau du visage. Regardez... je suis très happy, vous le voyez. Et j'ai une mâchoire très puissante, comme vous pouvez le voir aussi. J'ai une face, non pas trop large, quand même assez ligne quand même. Mes yeux, regardez, on va avoir des gros yeux aussi pour cela. Je suis quelqu'un d'assez... je suis poignant au niveau de mon regard. Je regarde dans les yeux, guys. Donc, c'est ce que je peux faire au niveau de mon visage ici. On va venir jouer ensuite de ça. Regardez bien ça, guys. Regardez bien ça, qu'est-ce que je vais pas venir faire. On va venir remodeler mes muscles ici. Et on va venir créer... le Samuel que vous connaissez. Donc, on va venir grossir les muscles comme ça ici. On est grossir mes petits avant-bras. Parce que vous le savez, gars, j'ai pas d'avant-bras. Si on vient jouer avec ça ici en même temps. Donc, regardez déjà en partant. On voit une petite différence. On voit que le côté droit ici est beaucoup plus que vous voyez de moi-même sur les réseaux sociaux. Mais de l'autre côté, il reste encore un petit peu de travail à faire. Regardez, on va venir toucher l'autre côté ici en même temps. C'est n'importe quoi. Donc vous voyez, on peut venir grossir un petit peu ce coup. Bon, ce coup-là, là, c'est un petit peu trop gros, là. On va venir jouer ici, regardez. On grossit l'avant-bras encore. Déjà plus de sens. On va venir grossir cette chest-là. Et voilà. Et comme vous le savez, j'ai une très petite taille, donc on va venir... c'est ce que je fais en ce moment, c'est ce que je fais tous les jours pour mes photos sur Projet Physique, sur Samuel B Fitness sur Instagram. Regardez, on est grossi le chest comme ça. Et voilà le résultat, guys. Ça, c'est ce que je suis vraiment sur les réseaux sociaux, ce que vous me voyez tous les jours être. C'est exactement le Samuel que vous connaissez, le même regard poignant, comme que je disais, les mêmes biceps, comme vous pouvez voir, les abdominaux toujours aussi déchirés. Guys, c'était Facetune 2. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, là, on va changer de mood un petit peu. Ce que je vais parler, c'est complètement stupide comment j'ai pu vous montrer ça aujourd'hui, mais... vous devez quand même prendre en considération que c'est très vrai aujourd'hui que vous allez voir beaucoup de gens modifier leurs photos. Peut-être pas
autant mongol que ça. Mais ce que je vous ai montré au niveau de Devin Physique, c'est assez intense comment il pouvait se modifier. Et si moi-même, je peux faire ça en quelques minutes, abusivement un petit peu au niveau de mon cou, de mes yeux, mais vous pourriez le faire vous autres aussi. Et c'est pas ce que je vous incite à faire, c'est qu'au contraire, vous allez souvent vous prendre des modèles des gens sur Instagram, des gens que vous pensez que c'est la plus belle fille avec des grosses fesses ou le gars avec les gros bras, peu importe, quand au final, on peut prendre un petit 2 minutes pour se rendre de plus en plus parfait avec une application qui coûte même pas 5$. Donc, c'est plus pour vous dire, à ceux qui font ça, je sais pas si vous avez une conscience, si vous avez peu importe, je trouve juste un petit peu que ça, c'est de mentir à vos followers, à vos clients, ou peu importe. Et mes chères dames et mes chers messieurs qui suivez des gens comme ça, je sais pas si vous le savez qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui font ça. C'est pas pour dénigrer qui que ce soit, c'est simplement pour vous dire de... C'est pas la réalité dans les réseaux sociaux, tu sais. Je suis le premier à beaucoup publier sur les réseaux sociaux et qui parle souvent, j'essaie d'être le plus honnête possible. Mais vous le savez, les réseaux sociaux, c'est pas tout le temps le plus honnête du monde non plus. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est simplement en prendre et en laisser, tu sais. C'est pas difficile de voir parfois que certaines personnes qu'on dirait qu'on voit en vrai puis qu'on voit en photo puis c'est pas la même personne. Mais vous voyez, c'est pas si difficile que ça. Soyez fiers des courbes que vous avez. Si vous êtes pas bien dans le corps que vous avez en ce moment, travaillez pour, guys, c'est pas plus compliqué que ça. Honnêtement, oui, ça demande des sacrifices, ça demande du travail, mais c'est pas un 5$ qui va vous rendre plus sexy au lit. Parce que si vous découvrez une fille sexy qui a vraiment la shape parfaite, une fois rendue dans le lit, c'est pas la même affaire non plus. Ça gagne pas des points, ça, je veux dire. Fait que, guys, c'était ma petite vidéo aujourd'hui, ma petite vidéo humoristique pour vous parler de Facetune 2. Si vous voulez télécharger puis vous avoir du fun avec ça, allez-y, il y a quand même des super features à l'intérieur qui peuvent être super le fun à faire de votre côté. Sinon, nous, on se voit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire, de subscribe à ma channel YouTube. Si vous avez des questions, peu importe, vous m'écrivez en commentaire. Si vous avez des commentaires aussi, on l'écrit ça en commentaire. Et sinon, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, guys. Yeah.